I will be plus précisément dans le Washington. I will be Mama Marthe né. Mama Marthe né. I will be shop Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un Congolais. On est un Congolais. Nous vous présentons Ngaï Ngaï la finesse. Ngaï Ngaï la finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients puisés d'une recette secrète d'une famille africaine. Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupations qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Ngaï Ngaï la finesse est la meilleure option. Délicieux, rapide, et voilà, vous êtes servi en quelques minutes. Ngaï Ngaï la finesse apporte la joie dans nos familles. Hello, l'opinion biba il a un bilo koli. Bon il a un bilo ko États-Unis. On est comme maman pour une bonne bouchonnée. Mon États-Unis, tata yo ki kole la nabino, atinde libino. Maman Samira, ndenge aux alakan États-Unis au collège le cola mutoza na mombele. Le cola mutoza na ngaba. Merci mon bouche. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, collège bio et comme il olingi na bino. Bona kozwa, mbisi ya kokauka, tope na fute mbila. Chez Mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez Mama Samira, mansom azali. Eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga va bete, bona kozwa biloko a detay. Yoka numéro, numéro 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka misia kokauka mongusu mafuta mbila et kokoma lokola bazoka na yo. Yeyo kombone mama Samira makiambae. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Face à Face. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de province, de la gestion de nos provinces. Et une province dont on parlera aujourd'hui, ce sera la province du Lualaba. Mais c'est vrai que j'attends toujours les autres provinces. On va parler un peu de ce qui se passe dans le Lualaba, l'inauguration de cette usine des Kamoa, donc en Colusie, pour voir exactement qu'est-ce qui se passe et véritablement sous le patronage de qui. Bon, vous savez, toutes ces questions. On va revenir, l'appel à l'évêque à la réconciliation des gouverneurs, inspection des infrastructures par le ministère de l'ESU, mais aussi le lancement des états généraux des mines. On va toujours parler de cette affaire, de ces grandes questions. Et donc je reçois Don Israël, que j'ai déjà reçu pour la troisième fois maintenant. Il est chargé de la jeunesse chez les progressistes. Comment tu vas, Don Israël? Je vais super bien, Christian. Toujours une joie d'être face à face avec vous. Alors, la question, comment se porte le là-bas? Oh, je le dirais comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, la province ne va pas bien.
depuis un certain bon nombre de temps et les choses, nous sommes en train de faire le sur place. Depuis les quand choses... la province ne va pas bien? Depuis le mois de janvier. Et c'est une vérité, Christian. Donc la province ne va pas bien depuis que Mouyej n'est pas gouverneur? Non, non, depuis qu'il est depuis absent. Que Mouyej est absent de la province. Tout à fait. C'est quoi son statut d'abord? Est-ce qu'il est gouverneur ou il ne l'est plus? Il est toujours gouverneur de la province du Lualaba. Il est en mission à Kinshasa. Il a été dépêché par les autorités. Il attend d'être reçu par le président de la République qui va le recevoir incessamment. Nous y croyons, nous espérons qu'il en sera ainsi. Et après quoi, il va retourner poursuivre son travail. C'est de quoi le but de son interpellation ou de son invitation? Comme pour tout, il n'y a pas seulement le Lualaba. Ça s'est passé avec le Haut-Katanga, avec Kinshasa aussi. Des contrôles de routine avec l'IGF. Mais spécialement pour le Lualaba, ça s'est fait sous fond d'une dénonciation de quoi, de la part de quoi, de sa vice-gouverneur. Et à partir de là, et on l'avait invité pour venir parler avec l'IGF. Il était venu, il était un peu souffrant, il est parti en Afrique du Sud. En bon nombre d'états, il est revenu et ils ont eu des séances avec, avec l'IGF. Et bientôt, nous attendons quoi, cette finalité et nous croyons qu'il sera de retour très mais bientôt. Je pense que le gouverneur n'a rien à se reprocher, donc... Il doit être, en principe, à l'aise, parce qu'il y a qui, mais que celle qui est là, c'est on va dire quoi, vice-gouverneur. Mm-hmm. Donc, ils sont en bon terme, tout va bien. Non? Justement, c'est là même le problème. Tu sais, comme pour le gouvernement central, comme pour les provinces, certes qu'il y a une équipe qui travaille, il y a le gouvernement Sama qui travaille, il y a un gouvernement provincial qui travaille chez nous, loin là-bas, mais... Quand on fait les élections, il y a un gouverneur qui bat campagne sous fond d'un programme qu'il défend et qu'il doit mener à bon port. Donc, il a travaillé son plan quinquennal qu'il a proposé à l'Assemblée, l'Assemblée qui a adopté. Et c'est ce plan qui est la vision même, la vision conductrice de quoi, de la province. Vous voyez un peu? Mais quand la personne qui est en colistier, et pour le cas d'espèce dans le Lualaba, Madame Fifi qui est la colistière, dès le premier instant que le gouvernement n'est pas là, tu sors complètement du programme. C'est quel programme dont on ne connaît le plan jamais. Quinquennal. De quel programme? Il s'agit, tu sais, il y a un plan quinquennal. Ça veut dire, c'est comme par exemple pour le gouvernement Sam. Le programme était sorti, plusieurs pages, donc nous allons faire ceci, faire cela. Et tout ce programme est défini. Chaque année, il y a une portion des projets qu'on dit que pour 2021, nous allons commencer par ici, par là et par là. Et vous défendez quoi à l'Assemblée provinciale? Voilà un peu. Et quand on te laisse, par exemple, assurer l'intérim, tu dois partir sur ce même programme. Parce que c'est ce programme, on a calculé, ça va que non, on aura besoin de tant d'argent. Vu l'argent que nous récoltons en tant que province, nous allons affecter autant à ceci et espérons que la rétrocession de Kinshasa, nous pourrons couvrir ça et ça et ça. C'est comme ça qu'une province fonctionne. Donc tu ne peux pas, parce que le gouverneur est absent pour un petit moment, tu fais ce que bon te semble. Ça ne marche pas comme ça. Mais c'est quoi bon te semble? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait qui n'était pas dans le budget, qui n'était pas dans le programme? Et aujourd'hui, ce qui ne marche pas dans notre province... dans le souci de faire du matu vu, madame a emboîté plusieurs projets au même instant qui ne cadrent pas avec le programme. Par oui, exemple, oui, les projets. Un projet. Le lancement de la résidence du président de la République. Certes, le gouverneur en avait parlé depuis 2017. Oui. Non, ce n'était pas prévu pour cette année. L'argent qui devait être mobilisé pour 2021, ce programme ne figure nulle part. Mais madame n'a pas fait ce programme. C'est votre, le programme du gouverneur. Justement. Alors, quand elle dit qu'elle, puis elle n'a jamais dit que ça allait, c'est elle qui allait le faire. Elle va suivre la logique du gouverneur. Non, non. Alors, pourquoi ça, c'est un programme qui n'est pas prévu pour cette année. Tu ne dois pas le faire. Christian Bossembe, vous êtes patron de votre entreprise ici même là où je suis. Oui. Vous laissez, à Jérémy, aux autres, vous êtes absents, faites ceci, cela, pour ceci, pour cela, et le budget alloué à ce travail est ainsi. Et quand tu rentres de ton travail, comme tu viens d'un déplacement, tu trouves qu'ils ont déjà déménagé même vos bureaux, ils sont plus là-bas, et te donnent de raison, voilà, il y avait ceci qui ne tiennent pas, sans te tenir compte. Non, mais ce Congobeuse m'appartient,
Mais la province n'appartient pas au gouverneur. Justement, la province est par un justement, de même que l'on dit que le Congo n'appartient pas au président, mais ça n'empêche pas qu'il est le garant de cette nation. Oui, mais le problème... Dès l'instant qu'il est président, nous, le pays doit marcher selon sa vision. Aussi longtemps que nous l'avons élu sur base de cette vision. Non, mais il faut qu'on se comprenne dans Israël. Le vice-gouverneur n'est pas un petit monsieur ou une petite dame du gouverneur. C'est, à la limite, c'est son semblable. Seulement que le gouverneur est la tête et l'autre est après lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il reçoit des instructions et des injonctions selon la volonté du gouverneur. Parce que à vous entendre parler, on a comme l'impression que le vice-gouverneur est dans les rangs. Et le gouverneur serait très loin. Non, ils sont dans un même ticket. Quel est le fond de votre pensée, juridiquement? Quelle loi? Quelle loi comment... Qui dit que le gouverneur est semblable quoi, au vice-gouverneur? Oh. La loi de la libre administration de province ne donne pas de prérogatives à un vice-gouverneur. Oh, mais écoutez, le gouverneur... Tu es juriste, tu le sais. Ça ne vaut pas la peine de me rappeler. Si. Le gouverneur et les vice-gouverneurs sont tous élus le même jour. Le même jour, mais le vice-gouverneur, c'est une colistière. Oui, mais ça veut dire quoi, colistière? Juste une accompagnatrice. Mais alors, ça veut dire semblable, non? Une accompagnatrice. Mais ça veut dire semblable. Une accompagnatrice, Christian. Ça t'intéresse de dire quand? Donc, ça veut dire... Il accompagne qui et quoi? Il accompagne le gouverneur dans ses tâches. Non, la vision, pas le gouverneur. Attends. Le gouverneur vient avec une vision. C'est pas... justement, c'est une vision qui vient. Non, c'est discuté. Attends, c'est concerté. Avant que la vision du gouverneur soit discutée, soit concertée, c'est sa vision. Il vient, il l'expose. Voyez un peu, avec les faiblesses et les points forts. Oui, et c'est après qu'on peut dire que non, non, ça on peut élaguer, ça on peut garder. Mais c'est d'abord la vision du gouverneur. Mais du moment où elle est sur le vice-gouverneur n'est jamais élu pour une vision. Le vice-gouverneur est élu sur la liste du gouverneur. Voyez un peu. Donc il accompagne le gouverneur. Non, et il n'y a pas de débat là-dessus. Non, il y a débat. Néron Bongo l'a dit d'ailleurs, lui au moins, il a eu la chance de le reconnaître. Vous savez, Christian, aujourd'hui, le pire dans cette histoire, c'est quoi? Néron Bongo a raconté des histoires sur base des faiblesses de notre, ce que vous appelez libre administration. Néron Bongo a relevé les incongruités qu'il y avait. Et puis, quand Néron, justement, c'est la loi. C'est que Néron Bongo dit. C'est la loi. C'est que Néron Bongo dit de vous remettre mal à l'aise. Néron Bongo, effectivement, il dit exactement ce que le gouverneur fait. C'est généralement des généraux, ils sont hors la loi, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais justement... pas les hors la loi. Quand la loi ne te donne pas des prérogatives, va voir ceux qui sont censés voter des lois, qu'ils mettent ces dispositions qui te mettront à l'aise dans cette loi. Mais... si un gouverneur ne te laisse pas faire quelque chose avec la loi congolaise aujourd'hui, il n'a pas tort. S'il te laisse faire, il n'a pas non plus tort. Mais la vérité est que c'est lui qui endosse les bons et les mauvais. Voilà pourquoi un gouverneur doit nécessairement s'imposer. Parce que c'est lui qui est le seul répondant. Le vice-gouverneur ne répond pas des faiblesses de la province ou des forces de la province. Alors, c'est le gouverneur qui répond si en cas de problème. Mais là, en ce même moment, on parle de détournement dans le loi là-bas. C'est pas Mme Fifi qui est ici. C'est le gouverneur qui vient répondre. Mais pourtant, c'est le même gouvernement, non? Pourquoi vous voulez la même chose et son contraire? Dès l'instant que c'est le mauvais, non, non, voilà, c'est l'autre. Dès qu'il y a des bonnes choses, nous allons y arriver sur d'autres questions. On dit que non, non, c'est le gouvernement d'ensemble. Mais si vous vous écoutez parler, vous allez voir vous-même qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce que vous dites. Non. Je vous en prie. Okay. On va évoluer. Est-ce que, si c'est comme ça que vous conseillez les gouverneurs Mouyej, alors vous l'induisez en erreur? Parce que vous s'aimez en lui et vous lui donnez beaucoup plus de pouvoir qu'il n'a pas en réalité. Le gouverneur n'est pas un patron tous azimuts. Ce n'est pas un patron qui pense et qui dit des choses. Et la vice-gouverneure n'est pas celle qui doit écouter « Amen, Amen ». Non, le gouverneur ne prend pas des mesures sans avoir discuté au préalable avec le vice-gouverneur. C'est ce que dit... Avec le gouvernement. D'abord le vice-gouverneur. Est-ce qu'on peut mettre se placer ici la loi sur mais vous n'avez pas déjà la loi et puis la question n'est pas. Justement. Justement. Si vous la sortez. Non, mais écoutez, ne me défiez pas sur ce terrain-là, ça ne sera pas bon. C'est le vôtre. Non. N'allons pas sur la question. Ici, tout ce que nous sommes en train de relever, c'est quoi? C'est qu'il faudrait qu'il y ait une certaine harmonie entre le gouverneur et les vice-gouverneurs. Tout à fait. La loi suppose que le gouverneur c'est quelqu'un de civilisé et que le vice-gouverneur c'est quelqu'un de civilisé. Tout à fait. La loi ne peut pas parler des caprices des gens. La loi énonce les principes. Tout à fait. Et puis après, nos comportements à nous, notre culture politique, notre éducation politique fait en sorte ou font en sorte que qu'on ait des conflits comme ça. Mais si nous pensons que le gouverneur est quelqu'un qui claque sur la table et le vice-gouverneur dit amen,
alors on est mal parti. Mais il n'en a, si, il en a jamais été ainsi. Mais justement. Il n'en a jamais été ainsi. Alors pourquoi vous parlez que le vice-gouverneur, il s'est cas, elle s'est cas, en quoi en faisant quoi exactement? D'ailleurs, le Lualaba, c'est la seule province à ce jour où vous trouvez, depuis l'époque des commissaires, 5 ans passés, que le gouverneur est encore avec son vice-gouverneur. La seule province. Nous sommes d'accord sur ce point. Aujourd'hui, là où nous en sommes, tu ne peux pas me dire, je sais que tu es mieux informé, tu ne peux pas arriver à 10 les noms des vice-gouverneurs de ce pays, en train de les citer nommément. Tu ne le connais même pas. Non, mais où est le rapport, je crois? Justement, il y a un rapport. Lesquels? C'est justement parce qu'il y a des problèmes. Tu sais, on a parlé du gouverneur de quoi du vice-gouverneur de Kinshasa, avec tout ce qui est comme clash, le Lualaba de même, avec tout ce qui est clash. Mais dans le fond, le gouverneur, un homme civilisé, a travaillé avec Madame Fifi pendant toutes ces années, en se supportant mutuellement, oui, les faiblesses de l'un, oui, tout comme de l'autre. Alors, contrairement à ce que les gens veulent faire croire, le programme du gouvernement se discute au conseil de quoi? Au conseil des ministres, dans lequel participe Madame le vice-gouverneur. Là, il n'y a pas de bas. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis en train de peindre que le gouverneur prend des décisions, comme tu l'as dit. C'est pas cela. Mais ce que j'essaie seulement de faire voir, c'est quoi? Quand on te laisse l'intérim, c'est comme aujourd'hui. Si, par exemple, le gouverneur n'est pas là, quand Madame le vice-gouverneur, il y a eu un temps qu'elle a passé plus de 10 jours ici, à Kinshasa, c'est le ministre de l'Intérieur qui reste assurer l'intérim. Le ministre de l'Intérieur ne doit pas rester faire les choses qui ne sont pas dans le programme. Il doit se limiter dans les lignes que Madame le vice-gouverneur a laissées. Ainsi de suite. Ça veut dire, quand le gouverneur n'est pas là, tu restes dans les lignes, dans le plan quinquennal. Tu ne dois pas rien inventer. Tu sais la raison, c'est quoi? Parce que dans le fond, quand quelqu'un veut faire autre chose qui n'est pas contrôlable, pour lequel on ne connaît pas le budget exact, alors, c'est sous fond de vouloir détourner. Non, mais dans Israël, vous parce que tel projet, on connaît que non, ça va coûter 10 millions de dollars. Tu viens avec un nouveau projet qui n'est pas présenté à l'Assemblée, tu le débutes sans discuter avec l'Assemblée, et après tu veux venir faire voter un budget rectificatif bien après, sans discuter avec l'Assemblée. C'est ça le problème, le danger. Nous disons autre chose. Okay. Mais là, il y a beaucoup de choses que vous dites qui me dérangent un peu. Okay. Vous comparez l'intérim laissé par le gouverneur au vice-gouverneur, à l'intérim laissé par les vice-gouverneurs au ministre de l'Intérieur. Mais c'est quand même grave, non? Non, c'est pas grave. Non, ça ne se compare pas. Le ministre est nommé. Nommé. Okay. Le vice-gouverneur n'est pas nommé. Il est voté sur une liste. Ce n'est pas nommé. Ce n'est pas la même chose. Mais la source et l'origine du pouvoir, ce n'est pas la même chose. Et son exercice ne peut pas être la même chose. Donc, c'est justement ça le problème que vous avez. Vous comparez, vous pensez que le vice-gouverneur a le même rang que les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Justice devant le gouverneur. Ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas ça. De la même. Donc, il faudrait que les gens, que vous puissiez essayer de comprendre que les ministres sont nommés par le gouverneur. Le vice-gouverneur n'est pas nommé par le gouverneur, il ne pourra pas être démis Christian, par le gouverneur. Christian, donc c'est pas la même chose. Christian, certes que le vice-gouverneur ne peut pas être démis par le gouverneur, pas du tout, c'est pas la même mais chose. Le problème, la personne qui engage la province, ce n'est pas le vice-gouverneur. Elle est élue sur une même liste avec le gouverneur. En cas de problème, c'est le gouverneur qui répond. Mais pourquoi donc, vous forcez à justement, parler de... c'est ça le problème. Dès que c'est moi qui répond, c'est ce qu'on, par exemple, je donne un exemple banal. Moi et toi, nous sommes partenaires dans une entreprise pour laquelle je suis gérant. Voyez un peu. Vous pouvez être associé. Mais dès l'instant que je suis gérant, il y a des choses que vous ne pouvez pas, quoi qu'étant associé. Non, mais... parce que je réponds de ce que j'engage l'entreprise dans une province. Le vice-gouverneur est élu sur la même liste que le gouverneur, mais il n'engage pas la province. Ça, c'est une vérité. C'est justement ça le problème. vous avez une conception du privé et vous l'amenez, vous transposez ça au public. Mais donnez-moi une prédisposition légale qui dit le contraire avec la loi. C'est la deuxième fois que vous donnez des exemples qui ne cadrent pas avec le. Donnez une prédisposition légale. Je prends un élément. Okay. D'abord, vous avez commencé par donner l'exemple de Congo Bus, qui est une entreprise privée. Et vous voulez l'amener dans une province. Ce n'est pas la même chose. Et maintenant, vous nous amenez dans une entreprise, encore une fois, privée, qui n'a rien à voir avec l'entreprise, avec l'État. Le fonctionnement du privé est différent du fonctionnement du public. Mais là, n'est pas le problème. Le problème est sur la prédisposition légale. Donne-moi un seul article de la loi. Quel article vous voulez? Oui, justement, dans la loi de la libre administration des provinces. D'abord, quel article je vous donne? Pour que ça fasse quoi cet article-là? Justement, c'est pour qu'il vous dise quoi l'article? Je pense que vous dites. Non, mais quoi? J'ai dit quoi?
que la vice-gouverneure peut se permettre tout ce qu'elle veut quand le gouverneur n'est pas là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a un programme qu'elle doit respecter et c'est tout à fait normal. Je suis en train de te faire comprendre que la vice-gouverneure n'est pas la bouniche du gouverneur. Je n'ai pas dit le contraire. Je peux comprendre que la vice-gouverneure n'est pas nommée par le gouverneur. Je n'ai pas dit le contraire. Je peux comprendre que la vice-gouverneure elle n'attend pas des ordres du gouverneur. Ce sont des histoires concertées ensemble parce que c'est leur ticket. On appelle ça en d'autres termes des pairs. Ils sont pairs. Okay. Les deux forment une seule chose qu'on appelle la tête du gouvernement, la tête du pouvoir exécutif. Là n'est pas le débat. Moi, par contre, je serais très à l'aise si vous me dites aujourd'hui qu'est-ce que la vice-gouverneure a eu à faire qui sort du plan. Je t'en parlais déjà. Vous me parlez de quoi? Je t'en parlais. D'un programme de maison que le gouverneur lui le mettait à l'origine. Non, non. Le problème, ce n'est pas Christian. Quand on fixe un programme d'une année, il y a des choses qu'elle a eu à faire. Par exemple, le plan de la route Ungongando. Je ne peux pas en parler aussi longtemps que c'était prévu pour cette année. Coup de chapeau, Madame Fifi. On encourage. Je ne suis pas là pour venir torpiller tout ce qu'elle fait. Quand c'est dans le programme, oui, on respecte. Vous voyez un peu? Quand ce n'est pas dans le programme, on dit non, c'est ce qui n'était pas dans le programme. Plusieurs projets. Comme? Il y a des routes qu'on a commencé comme ça, sans savoir quelle est la budgétisation, au niveau de Kassoulou. Il y a la fameuse résidence dont je venais de vous parler. Il y a ce fameux pont dont on fait beaucoup de publicité sur place à Kinshasa. Chose qui n'était pas dans le programme de cette année. Vous voyez un peu? Et le pire, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas ces actions-là. Les actions peuvent être dans le fond bonnes, sous la forme bonne, mais dans le fond mauvaise. Pourquoi? Quand on discute d'un programme, ça veut dire, et madame le vice-gouverneur, et le gouverneur comme vous le voulez, et le gouvernement dans son ensemble, ils connaissent les budgets de ces travaux. Mais quand tu te réveilles un bon matin, parce que le gouverneur n'est pas là, je m'appelle madame Fifi, je lance un programme avec mon conseiller, lançons ceci. Et les ministres viennent, ils veulent demander des explications, on leur suspend. C'est ce qui se passe souvent là-bas. Mais citez-nous un cas. Le ministre des Budgets a été suspendu. Pourquoi a-t-il été justement pour des raisons qui ne tiennent pas, que j'en avais parlé ici. Non mais pourquoi? On l'a suspendu pour absentéisme, alors que c'est madame qui l'a permis de venir chaque semaine ici à Kinshasa pour une formation. Êtes-vous entre... Parce que tu vois, là, par exemple, sur la question, je ne sais pas avancer parce que je n'ai pas d'éléments. Et moi, quand je n'ai pas d'éléments, je ne sais pas avancer. Justement. Donc, je vous tiens responsable de tous vos propos. C'est vrai. Vous êtes en train de nous dire... Oui. Qu'on a madame Fifi... c'est qui, c'est déjà Fifi... Masuka. Masuka, madame Fifi Masuka. A suspendu un ministre pour absentéisme pour une affaire que lui-même avait envoyée. Justement. Pour laquelle lui-même l'avait envoyée. Tout à fait. Que vous lui dites. Si. Très bien. Et quoi d'autre? Quel est cet autre ministre qui a été suspendu? Parce que là, vous nous avez dit que quand le ministre avait demandé des explications, ils sont sanctionnés. Quel est ce ministre qui a voulu demander des explications au vice-gouverneur et qui a été sanctionné? Quand il y a des... Chaque ministre gère une section de pouvoir. Par exemple, pour le ministère des Infrastructures. Vous voyez un peu? Il y a des programmes qui ont été défendus. Et sur ce programme-là, que ce ministère fonctionne. Par exemple, telle route, telle route, telle route. Vous lancez un programme alors que le ministre des Infrastructures n'est même pas au courant de ce programme-là. Alors que c'est dans son rayon d'activité. Ça ne marche pas, Christian. Est-ce que c'est ce qui est vrai? C'est ce qui se passe au loin là-bas. Pourquoi le ministre appelle quelqu'un d'autre jusqu'aujourd'hui. Vous lancez des appels. Que quelqu'un vienne sur ce plateau démentir ce que je dis. Mais juste que la personne est arrivée. Justement, parce que c'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas d'éléments à donner ici. Donc vous vous réveillez un bon matin alors qu'on sous tel endroit. C'est pas comme ça qu'un pays fonctionne. Même si c'était le gouverneur lui-même présent. Je dirais la même chose. C'est pas parce que c'est madame Fifi. Dès qu'il y a un plan, dès qu'on connaît que cette année, nous allons affecter l'argent de la province associé à cela. Au moins, tout le monde est confiant de savoir que l'argent qui va entrer, nous allons l'affecter à tel projet. Mais quand tu te réveilles un matin, tu lances un projet sur lequel on ne donne même pas le budget. Parce qu'aujourd'hui, je te mets au défi, Christian. Renseigne-toi. Tous les projets qui ont été lancés d'une manière parallèle, on n'a pas communiqué le montant exact de quoi? De ces projets. Renseigne-toi. Et le gouverneur lui communiquait le... On connaît tous les détails sur les projets qui ont été faits. Et c'est un programme qu'ils ont défendu à l'Assemblée. Donc l'Assemblée connaît le coût. Parce que l'Assemblée est là pour contrôler l'exécutif. C'est ça le rôle de l'Assemblée. Quels sont les rapports entre la gouverneure et... je parle de la gouverneure qui est là maintenant. Et l'Assemblée provinciale. Quel est le rapport? Quels rapports ont-ils? Bon, c'est à ce que je sache, l'Assemblée l'a invité une fois pour aller donner des explications et n'est jamais partie. Pourquoi elle n'était pas partie? Je ne sais pas. Je ne suis pas son porte-parole pour le savoir.
Mais vous êtes le porte-parole du gouverneur Mouyesh? Non plus, je défends ma province sur ce que je connais et ce que je sais. Mais pourtant, vous prenez beaucoup de positions pour le gouverneur. Justement parce qu'il a fait quelque chose de grand. Je connais où était la province et où elle est aujourd'hui. Quoi de plus que, normal? Pensez-vous que Mme Fifi est une menace pour la province de là-bas? Je pense les actions, le climat et tout ce qui vient avec politique mais socialement, là où nous sommes en train de partir, je pense qu'elle est mal conseillée. Elle peut se raviser encore et recadrer les tirs. Et ils peuvent encore continuer à travailler. Quelles sont les grandes erreurs de Mme Fifi? Les grandes erreurs? Est-ce que je dois parler de la personne de Mme Fifi? Je ne pense pas que je dois aller sur ce terrain-là. Mais c'est un gouverneur, c'est elle qui gouverne maintenant la province de Lalaba. Quelles sont ses erreurs en tant que gouverneur? En tant que gouverneur intérimaire, c'est de faire des choses qui n'ont pas été dans le programme. En tant que gouverneur intérimaire, c'est créer une crise dont elle est actrice elle-même. En tant que gouverneur intérimaire, c'est d'user des manières éhontées pour prendre le pouvoir. Des accusations, la fourberie et beaucoup bien de choses, quoi. De la corruption, on n'entend rien, des choses de ce genre. Sur qui chasse à son place ici. Donc, le pouvoir pour le pouvoir. Vous avez dit qu'elle est en train de corrompre les gens? Je l'ai dit au conditionnel. Ok. Oui. Parce que nous entendons de partout. Je suis pas la première personne. Vous avez déjà entendu. Non, pas je m'imagine. Ok. Pas du tout. Ok, je vous le concède. Voyez un peu ça. Cette manière de faire. Faire tout ce qu'elle peut faire pour garder le pouvoir. Et ça, c'est pas bon. Est-ce qu'elle a déjà fait des choses pour garder le pouvoir? Comme quoi, par exemple? Si. Comme quoi? Si elle a fait. Mais comme quoi, elle a accusé faussement son gouverneur. Où? Chez qui? À l'Assemblée. Et sur des médias. En disant quoi, par exemple? En disant, par exemple, des faussetés du genre que l'argent du contribuable dans les secteurs artisanaux ne bénéficiait pas à la province, ça allait dans les poches des gens. Alors qu'elle-même sait bien que l'argent du secteur artisanal a construit même les bâtiments que le ministre est allé visiter. Pourquoi mentir? Quand elle dit que ça part dans les poches des gens, est-ce qu'elle parle du gouverneur? Quand elle dit que ça partait dans les poches des gens et c'est maintenant que ça entre dans les caisses de l'État, ça veut dire tout simplement qu'elle dit que maintenant, qu'elle gère bien. Celui qui était là faisait passer l'argent dans les poches des gens. C'est simple à comprendre, il n'y a pas de magie là-dessus. Non, mais il n'y a pas de magie, mais elle ne cite pas le nom de quelqu'un. Vrai ou faux qu'aujourd'hui l'argent rentre dans les trésors? L'argent a toujours rentré dans le trésor et encore aujourd'hui, il faut qu'on vérifie parce qu'il y a quelque chose que les gens n'arrivent pas à dire. Quoi? La province est en plein boom minier. On n'en parle pas. Ils ne veulent pas en parler parce que les recettes de la province ont presque doublé. Le cuivre, l'IGF a fait son travail. Non. Tout le monde a peur de prendre l'argent. Pas forcément besoin de l'IGF pour ça là. Bien sûr. Christian, aujourd'hui, renseigne-toi. Aujourd'hui, le cuivre se négocie à plus de 10 000 dollars au LME. Voyez un peu. À l'époque, c'était 6-7 000. Donc, les recettes ont presque doublé. Et c'est normal. Nous sommes en plein boom minier au Congo. Il est grand temps que le pays en bénéficie. Vous vous rappelez à l'époque encore le boom de 2014, on en avait tant parlé, mais aujourd'hui on n'en parle pas. Donc elle a fait quand même, elle fait un bon travail, s'il y a un boom, elle fait un bon travail quand même. Elle canalise l'argent dans le trésor. Attends, là encore, il faut encore qu'on nous dise combien d'argent est entré, parce que c'est que moi j'entends pas, c'est du n'importe quoi. Comment ça? Vous voyez un peu, vous nous parlez des chiffres qui sont assez dérisoires et qui ne reflètent pas la réalité de terrain, et ça non, marche pas. Non, mais il y a, bon, c'est vrai que... on va arrêter cette polémique de qui des gouverneurs ou pas d'autres. Quels sont les rapports entre le gouverneur Mouyesh et Madame Fifi, son vice-gouverneur? Les rapports? Oui. Vous me posez la même question, mais d'une manière. Vous avez commencé par le vice-gouverneur, là vous commencez par le gouverneur. Oui, les deux le rapport. Au beau fixe. Ils se parlent bien. Ça, je sais pas. Le gouverneur n'a pas de problème. Le gouverneur a toujours sa place. Est-ce que le gouverneur est associé à des grandes décisions de la province? Non, je pense pas que je sache des informations que j'ai. Alors qu'il est au pays, il est informé de rien. Pensez-vous que Mme Fifi veut rester gouverneur et écarter son titulaire? Oui, c'est sa volonté. Elle le fait, elle le dit, et donc elle le dit à qui veut l'entendre. C'est sa volonté, c'est ce qu'elle cherche. Parlons de l'inauguration de l'usine Kamao à Kolosi. Kamoa. C'est déjà quoi l'usine en question? Ça sert à quoi? Ça fait quoi? Et c'est le plus grand gisement de cuivre en Afrique. Le plus grand. Le deuxième au monde. Aujourd'hui, une usine dans sa première phase
il y aura la capacité de produire 200 000 tonnes par an. Et la deuxième, ça sera 400 000. Et c'est une très grande usine, une grande fierté pour le Congo. Mais faudra-t-il encore que cela bénéficie aux Congolais? Alors, quels sont les tenants et les aboutissants de cette usine? Qui est à la manœuvre? Il y a Ivanhoé et Zinjing qui sont à la manœuvre à hauteur de 39%, 39%, et le gouvernement congolais qui vient avec 20%, si je ne fais pas erreur. Il y a une troisième entreprise qui a 1%, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est sur le, on va mettre ça sur le leadership de qui? Cette usine-là. En fait, des prospections ont commencé depuis bien très longtemps avec Africa Mineral, c'est à l'époque de Joseph Kabila. Ils ont commencé, ils ont découvert le gisement et après, ils ont commencé à l'époque de 4 jours pour la construction de cette usine. Et aujourd'hui, dans le temps que Fatih est président, ça continue, c'est une continuité. Donc, bravo à ceux qui étaient là, Joseph Kabila, et bravo aujourd'hui à Fatih qui doit continuer si et seulement si il fera ce que nous allons lui demander pour que les choses marchent bien pour les Congolais. Et c'est combien? Ça pèse combien déjà en termes d'argent? En termes d'argent, ça rapporterait beaucoup parce que avec la production annuelle de cette usine, la RDC va monter encore dans le classement parce que nous sommes dans le top 5 des meilleurs producteurs de quoi, du cuivre dans le monde. Donc avec la production de Kamoa, vers sa deuxième phase, nous pourrons partir de la quatrième à la troisième place. Donc c'est en termes de beaucoup, des centaines de milliards, des millions, pour ne pas dire des milliards de dollars. Est-ce que cette usine va produire sur place, transformer sur place et expédier le produit déjà transformé chez nous? Non, juste la production, la transformation ne se fait jamais au Congo, comme pour tous les autres minéraux. Le cobalt, le cuivre, on prend les cathodes, on amène en Chine, on amène en Europe, et puis c'est là qu'ils font la transformation pour d'autres besoins. Mais on peut concevoir un plan de transformation chez nous. C'est pas, que l'État avait promis. C'est pas à jour, à ce que je sache. Le président a promis, mais c'est pas encore fait. Mais là n'est pas le plus grand problème sur le thème de bénéfices, parce que tu sais, nous pouvons commencer avec des petites choses qui peuvent être bénéfiques pour le pays, pour le Congolais lambda. C'est par là que le président doit devoir commencer. Et aujourd'hui, Kamoa entre dans sa phase de production depuis le mois passé. Il y a des choses que nous aimerons dénoncer pour que cette production participe réellement à la création d'une classe des millionnaires congolais. Et étant le président de cette structure de quoi, des sous-traitants de ma province, nous sommes en train de nous étendre sur le pays. Donc nous sommes là pour parler des vraies choses, dire aux bonnes oreilles afin que les choses changent. Kamoa ne respecte pas bien beaucoup de choses. Il y a des antivaleurs qui ont été domicile dans cette entreprise. Et aujourd'hui, si on ne fait rien comme ils sont au début, ils seront pires que même les entreprises qu'ils ont trouvées comme les KCC et les autres. Qu'est-ce qu'ils font déjà? Aujourd'hui, chez Kamoa, la première des choses que je viens de dénoncer, ça c'est une expérience personnelle. Aujourd'hui, je fais grâce à ces personnes qui sont en train de nous suivre, de ne pas citer les noms des gens. Parce que si rien ne change, nous reviendrons pour citer les noms des gens cette fois-là. Parce qu'il y a des gens que nous connaissons bien, qui ont des noms, qui ont des familles. Et généralement, le plus souvent, ceux qui font mal sont des Congolais. Ouais, un peu. Ils font quoi exactement? Par exemple, pour les nouvelles entreprises sous-traitantes, vous entrez dans Kamoa, on vous préenregistre dans le système. Personnellement, moi, à plus de 4 fois, je suis allé à l'étranger chercher des produits. Donc, on t'envoie RFQ, donc Request for Quotation, on te donne un marché. Qui voilà, tu peux nous fournir telle chose et telle chose, telle chose. Nous en avons besoin. La première des choses que je viens de dénoncer ici, c'est le timing qu'on donne à une entreprise pour coter. On te donne 72 heures. Alors que tout le monde au Congo sait bien qu'il n'y a pas des usines de transformation au Congo. Généralement, c'est en Zambie, au Zimbabwe ou en Afrique du Sud. Donc, pour un entrepreneur, pour avoir des bons prix compétitifs, tu dois faire ce déplacement-là. Généralement, nous partons en Zambie. Vois un peu? Donc, tu as un short time. La première des choses, le timing. On te demande 72 heures pour côté. Tu as 72 heures pour quitter, par exemple, le Kolwezi, arriver à Kitwe, aller sur le marché côté. Souvent, c'est une très grande pression que tu as sur toi. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, déjà qu'on t'a donné 72 heures, tu dois te déplacer. Je me suis déplacé à plus de 4 fois, 5 fois même. J'arrive à Kitwe, chez une usine, par exemple, Weyaman-Rust, qui fournit des pompes industrielles. Tu arrives là-bas pour négocier le marché, pour que l'usine te vende quoi, ces pompes. Fort malheureusement, tu arrives, l'usine te dit que non, nous ne pouvons pas te coter, nous ne pouvons pas te vendre, parce que l'offre que tu as, nous-mêmes, nous l'avons déjà.
Voilà un peu. Donc, Kamoa met les entreprises congolaises en compétition avec les fournisseurs premiers. Et ça, c'est ça ne peut pas se passer ainsi. Ça, ça vous embarrasse terriblement. Pas seulement que ça nous embarrasse. Tu payes ton argent pour te déplacer, tu vas à l'étranger. Là où on doit te coter, la seule usine dans la sous-région qui fournit, qui fabrique le matériel, tu dis que nous aussi, nous avons l'offre. Comment est-ce que vous pouvez donner un Congolais, un sous-traitant, donc une petite et moyenne entreprise? Parce que ce que je ne comprends pas, un sous-traitant, c'est une petite et moyenne entreprise. Donc, il y a une loi qui nous protège. Tu ne peux pas nous mettre en compétition avec une entreprise qui pèse des milliards. Donc, pour eux, s'ils mettent, par exemple, une marge de 1 dollar par produit, ils savent comment est-ce qu'on fait toujours des bénéfices. Voilà un peu. Ils viendront pour l'entretien, ceux qui suivent. Donc, ils vont faire toujours des bénéfices. Vous nous mettez en compétition avec ces grandes entreprises. Et ça vous défavorise directement. Directement, vous êtes écarté. Déjà que vous avez la pression du temps, vous avez la pression de la concurrence, et vous êtes totalement... Mais une concurrence déloyale. Parce que tu ne peux pas battre le fournisseur. C'est lui le fabricant. Tu vas le battre comment? C'est lui qui fixe son prix. Il le fixe au prix, au détail, et en gros, si même ce serait mieux qu'il te le vende encore, mais il refuse ces entreprises-là. Ouais, parce que lui-même aussi, il est sur le coup. Il est sur le coup, ça marche pas. Et la troisième des choses, les Congolais qui travaillent au service des contrats, ils sont les mauvais, cette équipe de ces messieurs-là, que je ne veux pas citer de nom aujourd'hui. Tellement mauvais que j'ai eu à faire plusieurs voyages, pour des contrats inexistants. Comment ça? Donc, ça veut dire que tu es une entreprise, nous échangeons par le mailing. Donc, quand tu n'as rien, tu écris à l'entreprise Kamoa, nous sommes toujours là, moi c'était l'entreprise, j'attends, je n'ai pas de marché de votre part. On te répond, donc les rêves, sois patient, dès qu'on a quelque chose, on te mettra sur la game. Quelques temps après, on t'envoie une cotation. Donc, un RFQ. Au début, je ne vérifiais pas. Là, je demande à tous mes amis sous-traitants, quand on t'envoie un RFQ chez Kamoa, prends le temps de vérifier les dates en bas là. Parce que souvent, il y a des dates. C'est par après que j'ai découvert que c'était des fakes. Ça veut dire, c'est un contrat qui était déjà passé. Juste pour te garder dans la game, que tu ne déranges pas trop, on t'envoie un truc inexistant, toi seul. Tu te poumons, tu voyages, même tu retournes, tu dépenses ton argent, tu envoies, ils ne te répondront jamais. Pourquoi? Parce que c'est un contrat qui est déjà passé, qu'on avait déjà même donné à quelqu'un, qu'il a déjà même livré. Tu peux t'imaginer cette façon de faire? Ah ben ça c'est méchant alors. Très méchant même. Et ça c'est les Congolais qui le font? C'est les Congolais qui le font en complicité avec tous ces blancs de Kamoa, parce qu'ils le savent aussi. J'ai écrit une lettre à Kamoa, très longue comme mon bras là. J'ai mis en copie l'Assemblée et le service de la présidence, et c'est depuis là que moi avec cette entreprise, qu'on s'entend pas. Ils ne m'écrivent même plus depuis lors. Et ils ont répondu à l'un de mes proches que voilà, ils ont des avocats et je n'ai qu'à partir me plaindre là où je veux et ils enverront leurs avocats. Je verrai même pas quelqu'un de chez eux se pointer au procès. Ça, c'est ce qu'on m'a dit par personne interposée. Et ce qui fait plus mal aujourd'hui, l'un des buts même de ma présence ici, le président a annoncé qu'il doit aller inaugurer, il a déjà reçu une invitation. Il devait même déjà être parti. C'est à cause des problèmes qu'il y a eu, l'Est et tout ça. On a décalé quoi la date? Il y a une dame qui est la représentante du gouvernement à Kamoa, parce que le gouvernement congolais a des représentants dans chaque entreprise. Cette dame, elle, au moins, je vais citer le nom, tu me permets quand même. Allez-y. Bernadette Poundou, tu dois connaître. Oui. C'est elle qui est la représentante du gouvernement dans Kamoa. Ah, vous parlez de Bernadette Poundou. Ah, ben, très bien, je la connais. Je peux permettre. Elle est plutôt gentille, cette dame. Oui. Elle est la représentante du gouvernement. Tape sur Internet, Bernadette, en lien avec Kamoa, on te dira qu'elle est représentante du gouvernement chez Kamoa. Elle représente le gouvernement congolais. Il y a deux semaines, ou trois, j'étais stupéfait de voir sur Digital Congo, elle est allée voir avec une équipe de jeunes de Kolwezi et plusieurs autres de Kinshasa de Lubumbashi, se présenter chez Madame le vice-gouverneur, Fifi Masuka, comme ayant formé un club des sous-traitants, dont elle est le coach. Où il est mal? Justement, je viens. Et le mal, c'est ce qui se trame à l'intérieur. On demande à ces jeunes de ne pas torpiller Kamoa, de dire à tout le monde, même là où ils sont partis voir Madame Fifi, que Kamoa est en train de bien traiter les sous-traitants. C'était le but de leur visite.
que nous sommes là les sous-traitants de chez Kamoa, nous sommes bien, on nous donne des contrats, les choses marchent bien quoi chez nous. Et le but c'était quoi? Parce que le président devait arriver incessamment et c'est ce groupe de jeunes entre guillemets sous-traitants qui n'ont même pas des contrats chez Kamoa, parce que il n'y a que 20% de ces personnes qui ont des contrats que je connais d'ailleurs. Voyez un peu. Qu'on va présenter chez le président de la République pour dire que non, non, affaire sous-traitance, Kamoa respecte. Pourquoi? Parce que madame elle-même aurait une entreprise sous-traitante et qu'elle a coopéré avec Kamoa. Le gros de ces marchés-là, on va la donner. Et on la donnerait, laisse-moi parler au conditionnel. Ouais, parce que sinon, vous dites justement, justement, laisse-moi parler au conditionnel. Okay. Mais il ne reste pas d'une information vraie qui a été diffusée sur les médias. Tape Bernadette pour que tu verras quoi cette information. Je peux même te le forward après l'émission parce que j'ai les éléments avec moi dans mon téléphone. Vous voyez un peu? Quand ils arrivent dans l'endroit gouvernemental, elles parlent, mais sur les papiers de leur club, elle a mis deux personnes en avant, le président et vice-président, qui n'ont même pas des contrats chez Kamoa. Vous voyez un peu? Pour présenter au président de la République que les gens respectent la sous-traitance. Madame, nous nous sommes battus pour cette chose. Vous avez dénoncé une après une de vos actions. Rien n'est respecté chez Kamoa. Xinjiang a la grande partie de la sous-traitance chez Kamoa. Les entreprises congolaises souffrent, on donne des faux contrats. Toi, tu veux mentir au président qu'on donne Kamoa est en train de respecter la sous-traitance. Attendez, est-ce que madame a dit ça? Parce que dans Israël, sur les questions des mines, vous vous emportez très facilement. Je comprends, c'est les nerfs de votre problème, en tout cas. On sent que, comme on dit chez nous, en Lingala, justement, elle l'a dit lors de cet élément. Mais c'est voilà, nous sommes en train de depuis quand, hein? Non, mais le bourreau, quoi, la victime doit soutenir son bourreau. C'est quelle logique ça, Christian? Les sous-traitants, tout le monde, nous savons que les sous-traitants souffrent et nous souffrons réellement. Les gros des marchés, on donne aux étrangers. C'est les Chinois qui font des grands marchés, quoi, chez Kamoa là-bas. Oui. Nous sommes en train de souffrir. Et toi, tu viens coacher des gens pour dire non, soutenons d'abord Kamoa, comme le président doit venir, comme la ministre de Mine va arriver, présentant que non, non, Kamoa est en train de bien faire les choses, et après, en récompense, vous aurez des contrats. Mais c'est de la malhonnêteté. C'est du vote, c'est de la tricherie. Madame, si vous avez une entreprise, alors que vous êtes envoyé du gouvernement, ce n'est pas prévu par la loi. Très bien. Alors, on va revenir sur un autre élément, c'est le lancement des états généraux des mines. Est-ce que c'est toujours dans le même cadre? Là, c'est maintenant sur le plan national. Général. Okay. Sur le plan national, parce que même les états généraux vont se passer ici au bâtiment du gouvernement. Ah, d'accord. Oui, du 8 au 10. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans le secteur. Mais qu'est-ce que vous voulez, par exemple, pour Kamoa? Qu'on suspende Kamoa? Qu'on revoie les contrats? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Non. Kamoa est partenaire du gouvernement congolais. Ils ont investi des centaines de millions pour avoir cette mine. C'est une fierté nationale. La plus grande, l'une des plus grandes mines du monde, la deuxième au monde et la première en Afrique. C'est une fierté. Mais c'est qu'on leur demande des petites choses. Respecter la loi congolaise, respecter la sous-traitance. Laissez la sous-traitance aux Congolais. Vous avez déjà vos millions que vous allez gagner en produisant vos 200 000 tonnes, vos 400 000 tonnes de quoi de cuivre. Mais respectez au moins la sous-traitance. C'est ce que vous demandez. Est-ce que le lancement des états généraux, il y aura aussi ça comme sujet? Justement, j'y étais invité personnellement, j'y suis invité personnellement, et si je parlerais de quelque chose, vous imaginez, j'ai ressenti que l'affaire sous-traitance, en tout cas je veux bien parler, et j'espère que le président de la République serait présent, parce qu'on a des choses à lui dire, et des choses qui doivent changer ce pays. Et aux états généraux, il y a plein, beaucoup de choses qui ne marchent pas aujourd'hui. Je veux faire ce clin d'œil. Voyez un peu, quand on organise les états généraux des mines, c'est pour voir où sont les faiblesses, qu'est-ce qui n'a pas marché par le passé, qu'on peut corriger aujourd'hui pour un bel avenir. C'est le but que madame la ministre s'est fixé. Et dans ce secteur, je veux faire un clin d'œil, par exemple, aux créateurs artisanaux. Christian, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi l'exode rural dans le Kasaï? Pourquoi le Kasaï est en train de se vider? Cette province où tout le monde avait sa fierté de faire son diamant et rester chez lui, venir le vendre à Kinshasa et retourner? Pourquoi tous les jeunes de l'espace Kasaï sont en train de partir au Katanga et venir à Kinshasa? C'est pourquoi? C'est un problème des carrés miniers. Creusage artisanal. Va un peu? C'est là qu'il y a le problème. Et la plupart des jeunes qui sont venus de l'espace Kasaï partent au Katanga. Pourquoi? Pour le même problème. Parce que là-bas, au moins,
tant soit peu, il y a quelques carrières là où ils peuvent aller quoi creuser, avoir du cuivre, du cobalt et revendre. Ils ont fait ça pendant plusieurs années. Et le Kassai vibrait de ça. Le circuit économique du Kassai était posé sur ça. Mais depuis qu'on avait fermé, la province est en train de se vider. Ce ne sont pas les projets que le président est en train de faire, qui les joliers consorts, qui va faire ce que le Kassai se développe. C'est d'abord avec le capital humain. C'est ces personnes-là, ces individus qui doivent bénéficier de ces infrastructures. S'ils doivent rester chez eux, contribuer à l'épanouissement de leur propre province. C'est une honte, moi je suis du Kassai Christian. Voilà un peu. C'est une honte aujourd'hui, chaque jour, c'est par centaines, par milliers que des gens débarquent dans le Katanga. Ils fouillent la famine chez nous. Il n'y a rien. Nous avons faim. Il n'y a plus d'argent. L'argent ne circule plus. Pourquoi un problème de carré minier? Aujourd'hui, je demanderai à Madame le ministre autant qu'on doit le faire pour le Katanga, l'espace Katanga. Parce que les creuseurs souffrent. Chaque fois qu'il y a un carré minier quelque part, là où les creuseurs tirent un peu de quoi? De cobalt, un Libanais, un Kyrgyzstanais va débarquer là-bas, il vient au cadastre minier à Kinshasa, on lui voit le carré minier, on vient, on déguerpit quoi tous les Congolais. Ils doivent chercher un autre endroit. Et c'est ça qu'il faut travailler. Justement, je pense qu'il faut changer cette façon de voir les choses. Si le Kassai doit être peuplé de nouveau et les gens doivent bénéficier de Tilly et le consort, de tous ces projets que le président peut implémenter dans son fief naturel, je pense qu'il faut qu'on revoie le problème des carrés miniers. Il faut que le gouvernement prévoie réellement, même dans le Kassai, là, dans le Sankuru, dans la Lomami, dans le Kassai central, dans le Kassai, que voilà tel endroit, là, on laisse qu'aux creuseurs artisanaux. Voilà un peu. Laissez-le là-bas creuser, prendre le minerai, qu'ils fassent quoi leur business, qu'ils payent les taxes comme ça se fait partout ailleurs. Tu vois un peu? Très bien. Alors, je crois qu'il faut qu'on parle suffisamment de la question un autre jour. Mais pour terminer cette émission, il y a aussi la question de l'appel de l'évêque à la réconciliation des gouverneurs. Et puis, on va parler un peu de l'inspection des infrastructures par le ministère de l'Issue. On va s'arrêter là. Qu'est-ce que l'évêque a réellement dit? En fait, l'évêque a dit deux choses. Quel évêque déjà? Nestor Ngoyi. Oui. L'évêque de Kolwezi, l'église du Lualaba, de l'église catholique. L'évêque a demandé la paix et l'entente entre le gouverneur et son vice-gouverneur, comme tu le veux d'ailleurs. Chose que nous voulons, nous tous. Je ne veux pas, qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas du tout. Le gouverneur et le vice-gouverneur, c'est bon. Justement. Oui, chose que nous désirons, nous tous, parce que le Lualaba avait déjà un bel élan de développement. Et l'évêque est parti de ce constat. Ce constat de depuis 2015. Là où la province était, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Toute personne qui dirait le contraire, que le Lualaba ne s'est pas développé avec la décentralisation, est un sorcier. Dans le terme présidentiel, comme le président l'a dit. Ce n'est pas le terme présidentiel, le chef de l'État utilisait ce terme-là. Oui. Allez-y. Donc, l'évêque a fait ce constat. La province était appelée province pilote. Ce n'était pas un sobriquet. Ça partait d'un enchaînement logique des réalisations. Il n'y avait rien. Les anciens gouverneurs qui avaient failli à leur mission de construire les infrastructures de base dans des provinces. Et pour le cas d'espèce, Moïse Katumbi dans l'espace Katanga. Ils n'avaient rien construit au Olomami. Rien construit au Tanganyika, rien construit au Lualaba. Ce n'était que des forêts, comme d'ailleurs plusieurs autres provinces aujourd'hui. Vous pouvez y aller, par exemple, dans le Kassai profond, aller au Sankuru, aller dans la Lomami, c'est la forêt. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de ville même là-bas, vois un peu ça. Donc les anciens gouverneurs, les Ngoyi Kassange, les Moïse Katumbi, ils avaient pour mission de construire des infrastructures de base après, avant le morcellement de quoi, avant la décentralisation. Ils ne l'avaient pas fait. C'est ce constat-là. Logique que l'évêque a fait, et ce qui se passe aujourd'hui, il a qualifié, c'est que la communication n'a pas dit, que la province souffre d'une paralysie. Aujourd'hui, la province est paralysée. C'est pas moi qui le dis seulement, Christian. Même l'évêque l'a dit, que la province est paralysée aujourd'hui. Et à moi d'ajouter, bien sûr, et à moi d'ajouter, c'est une paralysie tridimensionnelle. Sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. Sur le plan social, les habitants, les communautés se regardent en chien de faïence.
Il suffirait juste d'une goutte qui va déborder le verre. Il y aura problème sérieux là-bas. N'attendez pas qu'il y ait problème pour qu'on vienne résoudre le problème. Il est grand temps de résoudre le problème. Sur le plan économique, les indicateurs sont au rouge dans la province. On a dilapidé l'argent de la province à corrompre à tous les niveaux possibles. Et dans le fond, il n'y a rien. Voilà pourquoi on veut évoquer un budget rectificatif pour faire passer des projets qui ne sont pas budgétisés, dont on ne connaît pas même les montants, donc on ne connaît pas le coût. Tout ça pourquoi ? Pour ouvrir. D'ailleurs, dès que le gouverneur rentre, nous allons appeler 3e mission de l'IGF. On ne peut pas prendre la province, en tout cas ça c'est un conseil. Si j'aurais l'opportunité de rencontrer le gouverneur, je lui dirais pas question de reprendre les affaires en main sans que l'IGF retourne encore dans le lot là-bas. Très bien. Et puis après, voyez un peu. Mais c'est pas le gouverneur qui appelle. Ah, c'est madame le vice-gouverneur qui les a appelés, non? Allez-y. Et puis troisième, c'est... Et sur le plan quoi? Sur le plan politique, aujourd'hui, le président de la République vient d'annoncer ses envies de se représenter, tout à fait légitime. Et pour ça, il a besoin des électeurs. Avec cette crise qu'il y a dans l'espace Katanga, avec Moïse Katumbi qui aimerait bien se présenter comme candidat, pour ceux au moins qui pensent qu'ils doivent soutenir le président de la République pour son deuxième mandat comme Christian Bossembe, ils doivent jouer maintenant à la bonne politique, pour ceux qui sont dans la politique bien sûr. Et aujourd'hui dans l'espace Katanga, la seule personne qui peut fédérer tout le monde, parce qu'ayant un background qui parle, vous voyez un peu, c'est Richard Mouyej-Mondez-Mons, justement, il est dans l'Union Sacrée, qui a Jacques Kiaboulé de quel parti? Non, je ne parle pas de Jacques Kiaboulé. Justement, moi, aujourd'hui, le président était clair, il l'a même dit il n'y a pas longtemps quand il était au loin là-bas. Non, vous voulez dire que le gouvernement Mouyej est prêt à accompagner les chefs de... Justement, Richard Mouyej-Mondez-Mons est prêt à accompagner le président de la République. Pourquoi? Tu sais, aujourd'hui, le Lualaba, cette province a été gérée par une sorte de prestidigitation, une sorte de dextérité managériale qu'il a pris du néant pour l'amener quelque part. Aujourd'hui, laisse-moi finir. Il y a pas de problème. On n'a pas fini la deuxième. La dernière question. Parlons-en. Tu vois un peu, je parlais de cette dextérité managériale qu'aucun gouverneur au Congo ne peut se présenter aujourd'hui et dire que voilà, je peux, c'est que Mouyej a pu. Ça, on a compris. C'était le modèle. Ça, on a compris. De toute façon, c'était le pédagogue que vous avez pris. C'était le pédagogue. C'était le pédagogue. La province de l'Olabé était un pédagogue pour toutes les autres provinces. Voilà pourquoi on l'appelait province pilote. Personne ne peut enlever ça. Alors, parlons-en de l'issue maintenant. Ok. Le plus même grand des problèmes, Christian. Le ministre Moïno Zangi part au Lualaba pour une mission officielle, demande-moi quoi. Aller inspecter les infrastructures de base des universités. Il n'y a aucune urgence pour faire cela. Première des choses. Attendez, c'est pas vous qui déterminez une urgence. Je viens, ça c'est mon analyse. Ça c'est mon analyse. Ça c'est mon analyse. On a beaucoup à faire dans l'enseignement que d'aller visiter les bâtiments qui ont été inaugurés récemment. Justement, ces bâtiments ont été inaugurés par Thomas Louaka, ancien ministre de quoi, que lui a remplacé. Ces bâtiments existent. La deuxième des choses, avec le financement des quads, j'en ai parlé tout à l'heure, du secteur artisanal que Madame Fifiani est récemment. Et ce qui m'a fait mal, il y a eu mensonge au sommet de l'État. Qui a menti qui? Qui a menti qui? Oui, qui a menti? Je dirais que le ministre Mouindo Zangi, on l'a induit en erreur, il aurait menti à la population en félicitant Madame Fian, en disant félicitations pour ce que je suis en train de voir, parce que dans moins de 6 mois, vous aviez fait ceci. Grosse erreur. Ces bâtiments existent depuis plus de 2 ans déjà. Ils ont menti. Le problème n'était pas là. Il fallait lire dans les lignes pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Et c'est ce que je vais essayer de te dire. Je te donne quelque chose. Je comprends que votre problème ici... Je donne quelque chose. Non, je sais. Laisse-moi. Votre plus grand problème, c'est quand on félicite Fifi, non, il faut pas le faire. Je ne suis même pas là. Ouais, c'est quoi? Je ne suis même pas là. Quoi? J'ai une thèse de doctorat avec moi. Oui. C'est pour qui? C'est la thèse de qui? La thèse de monsieur Ndokakasongo-John. C'est qui? Le tout-puissant... C'est lui qui fait office de dire-câble de Madame Fifi, son assistant personnel. Laisse-moi te dire, c'est du plagiat du début à l'avant. Les 800 pages, le problème a été envoyé au ministère de l'Enseignement.
supérieur. Monsieur Thomas Louaka. Où est les rapports avec... Je viens, Christian. Laissez-moi parler pour que vous compreniez. Oui. Le ministre de l'ESSU a reçu la lettre du propriétaire de cette thèse. Hein? Monsieur Christelle Maxence. On a envoyé cette lettre au ministre de l'ESSU que tel monsieur de votre pays a plagié complètement ma thèse de doctorat. Mais quel est le... Je viens, laisse-moi finir, Christian. Allez-y. Pourquoi vous m'interrompez? Je vois un peu. Que ce monsieur a fait cela. Chose bizarre, dans cette même thèse, on parle d'un directeur quoi, un co-directeur de quoi, de cette thèse, le professeur Chamboui. On le cite dans cette thèse qu'il a été co-directeur de quoi, de monsieur John Toka. Mais dans le fond, il écrit au même ministre que non, c'est l'usage de faux, parce que moi, je ne connais ce monsieur ni d'Adam ni d'Ève, et je n'ai jamais travaillé avec lui sur ce projet. Je viens maintenant pour lier les deux, pour que vous compreniez maintenant. Où est le lien? Où est le lien? Avec l'ESSU et la province de l'Olob. Le ministre a reçu les dénonciations de toutes parts que la province de l'Olob, l'un des hauts cadres de la province, a fait telle chose. C'est un voleur, c'est un usurpateur, c'est un tricheur, un plageur. Voyez un peu. Ce sont vos mots. Hein? Oui, ce sont mes mots, je le dis parce que je peux t'envoyer la thèse du début à la fin. Lien Yoï. Le ministre descend en province, plaf. Et du coup, c'est le monsieur qui l'accompagne faire tout ce qu'il y a là. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que je peux dire sur ce plateau que le ministre Mouindou Zangui serait corrompu par la province du Lualaba. Parce que monsieur Toka qui est là, c'est l'homme fort de la province. Je... Laisse-moi te dire une chose au moins. Madame, le vice-gouverneur de ma province que je salue encore, bonjour, bonsoir, madame Fifi. Oui, c'est monsieur qui fait tout le travail à la province. C'est l'homme fort de la province. Renseigne-toi. Et c'est monsieur a triché. Les yeux de... Dans un pays qui se respecte. Dans un pays qui se respecte. Un tel monsieur, le ministre devait déjà l'interpeller que d'aller faire fête avec lui dans la province. Comment est-ce que tu peux, alors qu'on l'a accusé de tout part, et aujourd'hui qu'on vienne que le ministre n'est pas communier avec lui et sans rien dire. Aujourd'hui, j'appelle aux uns et aux autres, je leur dis qu'au Lualaba, le Lualaba est dirigé par des gens, des faussaires, des gens qui n'ont pas titre et qualité. C'est vrai, Christian. Tu peux avoir la tête, tu peux... Je te demande les deux. Début à la fin, il a volé la thèse d'autrui. Justement, quand un monsieur et occupe cette fonction, aujourd'hui dans ce pays, Christian, qui a-tu défendu la justice? Mais là, je ne parle pas de ça. Mais on parlait de l'ESSU qui est parti là-bas, justement. Mais c'est pour cette cause. L'ESSU est parti pour regarder les... Mais comment est-ce que tu vas les visiter qui ont déjà été inaugurés par quelqu'un d'autre? Et pour dire que nous sommes venus voir pour que ce soit un modèle, bravo à madame Fifi pour le travail fait pendant 6 mois. Fausseté et mensonge. Et c'est passé à l'RTNC, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il a été corrompu. Bien sûr, parce que la motivation qu'il a, moi je crois, je le dis, qu'il serait corrompu. Il faut qu'on ouvre des dossiers pour ce genre de choses. Mais si vous portez plainte, vous allez dire quoi? J'ai dit qu'il serait corrompu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir suivi cette émission avec dont Israël a toujours été électrique comme ça. Parce que lui, vous ne touchez pas Mouyège. Vous touchez à Mouyège, vous avez une balle. Vous allez présenter mes civilités à monsieur Mouyège, le gouverneur. Je nous souhaitons qu'il rentre très bientôt, il va rentrer. Ce sera un grand plaisir. Mais en attendant, j'attends mon arrivée à Colosi. J'avais programmé, mais Mandaka m'avait un peu récupéré. Mais je serai à Colosi dans peu de temps pour essayer un peu de voir exactement, pour me faire une idée exacte sur la question. Quelle la peur qui nous esprit et que Dieu bénisse les RDC. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique, Colis Booking qui travaille en partenariat avec La Poste est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisée. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record.
Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capable de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Oh,